Bon zo tout di moun. Zodi, nous dans Madame Lolo, Roseville, avec Pandé. Sans tarder, nous rentrons dans son atelier. Kotli et son frère qui les a bien occupés. Salut, bonjour tout le monde. Et présente moi-même, et Pandé Bangalia, connu aussi par Pandé Bambou. Et moi, un artiste Bambou. Et là-bas, c'est Bambou, mais je n'ai pas fait juste travail Bambou, je fais un petit peu de tout, et dans le métal, et du bois aussi. Et je recycle beaucoup de trucs, scrap metal, du bois, tout ça. Et je fais un travail aussi, magasin, la case, et mon pub, mon bar. Mais moi ici, je pas sur Facebook, je suis même chez moi, Pandé Bangalia, toujours. Et ici, là, nous donnons un atelier, mais tout, qui trouve à Madame Lolo Rochebelle. Pandé, ce ban matière première qui lui servit, lui bien particulier. Et que c'est qui lui fabriquait? Les originales et les autres si, les autres pas pour trouver ça aucune place. Quand il travaille, il donne tout sur les quais dans ce qu'il y fait. Dans sa lèle-là, il est tellement concentré qu'il n'en y est autour n'a pas existé. Et Nazis lit et que seul objet qui est important. Et que nous qui autour, nous capables de sentir sa fusion et sa synergie là. Beaucoup parmi autres pour bientôt à le pèlerinage à Gangatalao. Et que la Pandé inopté pour un striptease plus traditionnel et original. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un cover. Et un cover qui est bien simple. Ça est inspiré par Shravan Kumar, comme on le connaît dans la mythologie hindoue. Et Shravan Kumar qui amène soit mort, soit pas en pèlerinage, et qui se tient avec. Mais il a servi un cavale, comme on l'a même appelé un palanquin. Donc aujourd'hui, là, l'inspiration c'est ça, mais je vais vous montrer comment on peut construire un petit cavale qui est bien simple et qui est aussi à portée de tout le monde. Là, nous devons préparer le bambou, toujours pour continuer le travail des cavales. Je vais te taper. On est en bas. Bon.
tu continues à nettoyer ta vanne, on préparera du jus. Ok. Donc, là, ce travail qu'il nous veut faire là, c'est un travail qui est un petit peu dangereux. Quand on sa main, les pieds et tout. Et il est bon qu'il nous protège les gants, pour nous protéger la main. Pas que moi-même, je vais m'habituer à ça, qui mourra tous les jours. Moi aussi, je prends mes précautions. Et si je veux faire dit, toujours prendre précaution, mets toutes les gants. Donc, d'ailleurs, je suis déjà un élève de la Croix-Rouge. Mon cours, toujours les quais, toujours pour la Croix-Rouge. Et je finirai beaucoup de temps au Grand Bassin. Et c'est inspiration, ce type de kawala. Il m'a traversé ça parce que de nos jours, on fait trop beaucoup de grands kawala. Qui ne m'ont pas dit qu'il est trop grand, qu'il n'est pas bon. Et pour moi, je trouve une façon de faire plus pratique, plus facile. Et il faut une partie de nos mythologies hindoues. Donc, pour ne pas bloquer le chemin aussi, comme nous avons dit, il y a un truc bien facile, bien pratique. Et pas pour besoin beaucoup de monde pour sortir là. OK. Donc, là, nous devons continuer, nous devons bien travailler nous-mêmes bon bout. Bien, aiguiser tout pour ne pas reblesser nous encore. OK. Bon, voilà, tu es passé un papier pour tout là-dedans. Et c'est des côtés sur les beaux pichets, tu vois. On va couper. Donc là, c'est pas la première fois qu'ils m'ont amené un type de cavale comme ça en bassin. Ça fait plusieurs années, beaucoup d'années. Et pour moi personnellement, la deuxième fois qu'ils m'ont tiré à un grand bassin avec ça, je trouve beaucoup de jeunes qui me finissent influencés. Et je me mettais en particulier aux outils, je suis fait à libre et je me finis tout faire en route et je suis bien satisfait. Je vais encore toujours continuer à faire libre et je continue à faire libre jusqu'à mon capable. Et ça fait beaucoup d'années moi-même, puisqu'il y a une trentaine d'années qui m'a grand bassin mancé. Et moi et l'équipe, bon en chemin. Et là, nous vous construisons, je vous trouve, je fais un petit acquis point facile, de telle façon de faire. Mais toujours, comme on veut dire, petit précaution, toujours pas blesser. Avant d'avoir un grand bassin, vous travaillez avec une précaution. Là, votre frère, comment vous trouvez, il peut aider moi. Ici, il faut une partie de l'équipe là. Et il va servir un petit outil, comme on appelle ça, un petit los, qui nous fabrique, qui rend nous bien service pour chaque type de travail là. Donc là, ici, il va aider moi pour nous préparer nos cavales. Tu en place. Il y a une tendance paysée sur la table, le vinage. Top toujours, pareil. Oh top, si ça fait, pas de problème. Allez, il y a une tendance paysée sur la table. Ok, tu es paysé ici, toi. Donc, une paysée là-bas. Et là, nous finissons arrive le 3 corps de travail. Et là, nous commençons à rassembler les. Et c'est là qu'il demande plus de précision. Liste de concentration et nous a fait chier si nous avons terminé nos pièces de travail. Et c'est pour ça que nous avons un petit aide encore. Nous avons bien calibré nos pièces de travail. Bon, hoche. Donc, vous avez attaché un côté de là. Nous avons réduit le côté là. Tu vas t'acheter ça toujours, mon petit PSC. Tu as besoin de doubler la corde, pas si dans le bon bout là.
comment nous avons fini comment attacher pour mes parties. Et parce que toi qui te vous attacher bien, parce qu'il y a une longue route à faire avec ça. Il y a qui quitte une longue route. Bon, m'attache pas ici, toujours moi, je viens. De trouver une terminale à nous cavaler. Si nous contraignons tel chien-là, comme bizarre, mais il bosse beaucoup longtemps, comme si c'était un lifetime. En fait, c'est une inspiration. Il a beaucoup de bananes en moi, mais découvert tous les jours, jour en jour, qu'il apprend une nouvelle chose, une découverte de nouvelles choses. Et le même travail qu'il m'a fini de faire, il date de 12 ans de cela. Et il y a encore toujours là. Et malgré ce que peut-être décidé, il y a toujours un travail là encore là. Mais c'est un travail qui nous casse, il y a des carrés sur nous en vie, si nous connaissons notre tiendi. Chaque année, nous faisons un petit coup de vernissage aujourd'hui, nous nettoyons, nous pagons dans la fichette, tout ça. Et tous les années, nous cassons, il dit, nous cassons, il y aime. Et là, comment j'ai trouvé, c'est l'inspiration qui me fait gagner par Charwan Kouma. Et c'est ça qui fait pour mener sur moi, sur pas au pèlerinage. Moi, j'ai trouvé une affaire bien pratique, bien simple. Il passe de toutes ces circulations, moi, mon camarade peut dire. Et c'est juste ce qui restait là-dedans, c'est moi qui ai fait flair, un petit peu de bande décoration. Chaque nous mettait laver ma chevrache, ma main des autres. Et il est toujours là, il reste toujours en nous. C'est une affaire traditionnelle. Et il pratique. Moi, mon conseil, ma zen de nos jours, et faire mes affaires simples comme ça, jusqu'à le grand bassin. Et puis, je pratique. Moi, je vais critiquer personne. Moi, je vais dire personne qui ne peut pas faire mes grandes affaires. Et tout à la base naturelle là-dedans, moi, je viens de trouver. Donc, nous toujours nous perdons nos concepts écologiques, toujours naturels.